Mon premier Noël. Hello tout le monde, ça y est, c'est officiellement l'avant-dernier Vlogmas ce soir sur le réveillon. J'ai trop hâte. Pas le dernier Vlogmas, mais en tout cas l'approche de Noël parce que là j'ai des cadeaux partout, j'en peux plus. J'ai qu'une hâte, c'est les donner, je n'en peux plus. Trépigne comme une gosse, voilà. Écoutez, là il est 11h30. Je recommence. Il est 11h30 pratiquement, j'ai un peu bugué. Écoutez, bon, on a rêvé ce matin, c'est dimanche, j'ai envie de vous dire. Ça fait trop de bien, je regrette pas en fait de pas avoir posté de vidéo hier parce que du coup j'ai pu faire ce que je voulais, c'est-à-dire pas grand chose. Et ça fait trop de bien en fait, je me dis que vraiment à 2 jours des fêtes, heureusement que je l'ai fait. Donc voilà, je suis contente. Là à midi, on est tous les deux avec Hugo parce que Mounette est partie chercher le chapon un petit peu loin pour demain. Parce que demain midi elle fait le chapon farci, mais il est énorme le truc français, il est énorme. Du coup là elle est partie le chercher, elle reviendra dans l'après-midi. Et cet après-midi on repart au ciné, les cinéphiles en puissance. Non mais je vous avais dit que la dernière fois on hésitait avec Ferdinand et Jumanji, bah, vu qu'on a vu Ferdinand on va voir Jumanji aujourd'hui. Voilà, on va le voir cet après-midi avec notre père du coup. Voilà, petit ciné en famille. Ça y est, on est installé, donc on a des croissants d'un côté, des croissants du boulanger, des chocolatines de l'autre. Hugo se fait des toasts. Petite update, et j'ai fini de manger, il y a un petit moment. Il est 13h19 et en fait, là, je m'apprête à me maquiller. Le make-up que je vais faire là, c'est le make-up pour ce soir, donc il est un petit peu plus, beaucoup plus chargé que ce que je porterai pour aller au ciné, n'est-ce pas? Mais en fait, j'y réfléchis et quand je vais sortir du ciné, il va faire quasiment nuit. Donc je vais pas voir grand chose et je vais être flippée parce que je vais pas être bien pour faire mon make-up. Donc je préfère le faire là, quitte à ce que ce soit un peu too much pour les ciné, c'est pas grave. Une petite idée de ce que je veux faire, mais parfois entre ce que j'ai en tête et ce que je me mets à faire, ça peut changer. Mais en fait, j'aimerais bien faire un cut crease assez marqué avec une couleur prune. Alors je sais pas encore, j'ai sorti ces deux palettes, la Desert Dusk d'Huda Beauty et celle de Too Faced, et j'aimerais bien mettre celui-ci, je vais voir, et je voudrais mettre un petit glitter pailleté en cut crease, je vais voir, soit je le mettrai que ce soir, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas pour les yeux je pense que je vais utiliser ces deux palettes. Et voilà le résultat. Alors ça fait clairement too much pour aller au ciné, on est d'accord, mais j'aime beaucoup. Alors j'ai pas fait le rouge à lèvres encore, je le ferai ce soir. Et pour les fossiles je voulais en mettre, mais déjà je sais que je vais pas les mettre pour les ciné, faut pas abuser non plus. Ce serait clairement too much, j'ai pas la foi de les garder jusqu'à ce soir. Donc je sais pas si j'en mettrai, mais je trouve ça tout aussi jouissant finalement. Au final j'ai mis le liner pailleté de Too Faced. Je sais pas si ça ressortira bien la lumière, mais j'en ai mis en double liner, vous voyez, au-dessus, tout le long. Bien dans le cut crease. J'en ai mis dans le coin interne aussi. La première fois que je m'amuse vraiment avec le make-up bah, ce mois-ci. Alors que c'est ma période préférée pour se maquiller, mais j'ai pas eu l'occasion de filmer des vidéos à ce sujet. Et on peut voir que ça m'a manqué parce que là, je me suis éclatée. Donc là, il est 14h52. Je vais finir quelques trucs du Vlogmas. Vous entendez ma radio? On sent bien ce pour Noël ici. Écoutez, je sais plus ce que je vous disais, je vais régler quelques trucs avec le vlog et puis on va aller au ciné après. Je vous retrouve bien bien plus tard puisqu'il est 19h09. Entre temps, je suis allée au ciné, je suis revenue. Pour info, il était vachement bien. Moi j'ai beaucoup aimé, on a bien rigolé. Par contre, il y avait des moments serpents. Moi, c'est ma plus grosse phobie, mais quand je dis que j'ai peur, c'est que je suis absolument terrifiée. Mais je connais tout le monde, donc je m'y attendais. J'ai vu le moment un petit peu arriver, donc j'ai pas regardé. Mais sinon, en dehors de ça, il était vachement sympa. Donc voilà, c'était plutôt cool. On est rentré à 18h15, un truc comme ça, parce qu'on avait une course à faire avant. Et là, juste le temps de se changer et on repart aussitôt. On fait le réveillon comme chaque année chez ma mamie. Du coup, j'ai gardé mon make-up, j'ai pas mis de faux cils, j'ai juste rajouté le Love Bite de Kylie. Et voilà, et c'est tout, et les boucles. Et j'ai mis ma blouse New Look que j'ai achetée à Bordeaux cette semaine justement. Finalement, j'ai les mises parce que je la trouve vachement jolie. Et voilà, et de toute façon, là, je vais pas avoir le temps de vous faire la tenue et tout parce que je m'en vais. Mais j'ai juste mis un simili en cuir. Voilà, donc je vais y aller parce qu'on m'attend.
Mounette qui dit regarde, attends, si tu mets ça, ça fait joli. Ça fait lieu de pèlerinage. Regardez, on est rentré à la maison et on est en train d'installer les cadeaux pour demain. Voilà, du coup on était en train de tous regarder, savoir qui allait à qui. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai mis plein de petits nœuds, vous voyez, sur mes petits paquets, n'est-ce pas, pour faire joli. Je sais pas si vous en voyez un là, en fait Zozo elle est toujours à tous. Elle défait les nœuds et tout, c'est l'anti-Noël Zoé. T'es, allez, bim, bim. Je sens qu'elles vont pas dormir cette nuit avec tous ces nœuds et ces rubans. On va arriver demain, tous les cadeaux seront ouverts. Et moi je dors à côté donc. Ah oui, bah lui. Regarde, ouais. Moi je sais pas, je pense pas que je vais dormir de toute la nuit. Ah non, mais... Je sais pas si je vais pas faire un petit tour. T'es... Non mais. Non mais. Les chats. Regarde. Allez. Ah. Oh. Zozo, son premier Noël. La 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 la. La 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 la. Carrie, elle est habituée. Petit chapeau. Regarde. Petit chapeau. La 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 la. Regardez-la. Pour l'avant-dernière, tu montres la danse de Carrie. Elle la connaît par cœur, la Corée. Je sais pas d'où ça naît, ne me demandez pas. Se venger. Non mais ça c'est mon cadeau. C'est mon cadeau à Mounette, j'ai passé du temps sur. Et ma Carrie. Donc je vais clôturer le vlog pour ce soir. Je suis désolée aujourd'hui, j'ai même pas l'impression d'avoir beaucoup filmé. Elle râle depuis tout à l'heure. Je suis rentrée il y a 20 minutes, un truc comme ça. Là il est minuit 55. Voilà, je vais me coucher, enfin je suis pas encore couchée concrètement parce que je veux terminer d'éditer ce vlog, me démaquiller, préparer 2-3 trucs pour demain. Et voilà, et demain bah, c'est le jour de Noël, donc ça me tarde, on a installé les paquets. Vous avez vu Zozo, elle est complètement dingo, là je crois qu'elle va pas dormir cette nuit. Mais voilà, on a passé un bon réveillon chez notre mamie, c'était très sympa. En tout cas on a passé un bon réveillon, on a bien mangé, c'était très chouette. Le Grinch de Noël, vous connaissez? En plus, elle a mangé des crevettes ce soir. Mounette me dit qu'elle a eu des crevettes décortiquées et tout, tellement elle a eu son repas de Noël. Donc, peut-être tout va bien. Je vous laisse. Juste avant, je vous mets le lot d'aujourd'hui que je ne peux pas tenir dans mes bras et à la fois vous montrer. Parce qu'il s'agit, comme vous le voyez à l'écran, de ce magnifique coffret Laura Mercier pour le corps de la gamme à l'amande. Vous avez plein de produits pour le corps, gel douche, exfoliant. Vous avez une brume, enfin vous avez plein de trucs pour le bain, etc. Et ça sent divinement bon. C'était une belle idée de cadeau. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. C'est un coffret qui est sublime et qui sort que pour les fêtes. Donc n'hésitez pas à participer, c'est en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse, je vais me coucher. Et puis sur ce, je vous dis à demain pour le dernier Vlogmas. C'est Noël. Titi, joyeux Noël. Presque ça.